Alors, alaikum, donc, c'est la 10e édition de la marche de la paix en Afrique donc, qui se déroule chaque année à Arta. Et cette année, j'ai eu l'occasion de participer à cette marche donc, qui a mobilisé pas mal de Djiboutiens, surtout des jeunes, et aussi largement représenté les régions. De Djoura, d'Arta, ainsi que du sud, à Lissabié et à Dikil. Donc la marche a été un succès. 15 km, c'est une marche pas facile, mais une marche qui se fait chaque année et de nombreux Djiboutiens se donnent rendez-vous donc, pour participer à cette marche qui réunit aussi les expatriés comme des Chinois, des Japonais, des Français. Et cette marche a pris une dimension assez importante dans la vie des Djiboutiens. Et là, exceptionnellement, c'est dans un climat exceptionnel, sous les nuages, sous la pluie. Donc, et cette marche a été un succès sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, qui était représenté par son ministre même. Et pas mal de la santé, le ministre de la décentralisation et pas mal de parlementaires aussi ont participé à cette marche qui est devenue donc un symbole pour la paix à Djibouti et surtout pour la paix en Afrique. Donc les Djiboutiens sont conscients de l'importance que revêt la paix et la jeunesse est largement représentée. Donc c'est une culture qui est devenue donc une habitude pour pas mal de Djiboutiens. La relève est assurée, il y a de nombreux doyens ont participé aussi, comme moi, donc, et ça a été un succès. Et je félicite le secrétariat d'État à la jeunesse pour l'organisation exceptionnelle de cette marche pour la paix en Afrique.